Alors, il y a bien sûr plusieurs dangers anatomiques, vasculaires, nerveux, le canal de Stéman et la parotide. On peut d'ailleurs diviser ces différents dangers en pédicules neurovasculaires et en structures profondes, notamment le septum, la glande lacrymale, la parotide et le canal de Stéman. Quels sont les dangers, ou plutôt les pédicules neurovasculaires à connaître, sont les pédicules supraorbitaires et supracochléaires. Supraorbitaire est distant de la ligne médiane du supraorbitaire est distant de la ligne médiane de 3 cm, du supracochléaire de 2 cm, et les deux, bien sûr, émergent du niveau orbitaire supérieur. Il faut connaître la position pour éviter d'injecter dedans, parce que si c'est le cas, la toxine botulique va passer par moisson guide à l'intérieur de la cavité orbitaire, atteindre donc les muscles intraorbitaires, prendre le revers de la paupière supérieure et entraîner un ptosis. C'est vrai que ça peut passer juste à travers le septum, mais c'est décrit aussi un passage intravasculaire de la toxine botulique atteignant les muscles relevant de la paupière supérieure.